Bonjour le monde. Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode encore très simple pour nos frères qui arrivent de partout dans le monde, pour la Russie. Bon, il arrive peut-être des moments qu'on vous appelle 3-4 jours avant pour vous dire voilà, il y a X qui doit arriver en Russie. S'il te plaît, fais un effort d'aller le recevoir à l'aéroport. Vraiment, il ne connaît personne là-bas. Il ne sait pas comment il doit se diriger sur tel endroit. Vous voyez un peu. Et en ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus expédier la SIM card. Tu ne peux plus rien faire. Voici la méthode donc que la chefferie africaine vous présente pour que prochainement, même si vous n'avez pas pu expédier la SIM card, voici la méthode que vous allez procéder prochainement. Vous prenez votre ordinateur, vous écrivez en russe. S'il vous plaît, je viens juste d'arriver. Aidez-moi à appeler mon frère. Vous écrivez en russe, ça veut dire quoi? Пожалуйста, я только приехал. Помогите. Позвони моему брату. Ça veut dire en russe, comme je vous ai expliqué. Maintenant, quand vous arrivez, quand la personne qui arrive, il prend ce format. Donc, tu photocopies ce format. On va scanner, il va écrire, il va scanner, il va t'envoyer. Tu vas maintenant photocopier ça dans ton pays d'origine. Quand tu traverses maintenant l'immigration, tu traverses maintenant la douane, tout est construit. Tu es maintenant dans la salle d'attente. Tu sors maintenant ton papier là, ton format là que tu avais écrit là-bas. Pajalusta, Yatulka Prekar, Pamagiti, Pazvani, Mayu Brato. Donc, ça veut dire en français que s'il vous plaît, je viens juste d'arriver. Aidez-moi à appeler mon frère. Je vous dis que les Russes, sur deux Russes, que vous allez seulement demander, montrer le bout de papier. Il y a 5 ou 10 qui vont venir avec le téléphone pour te donner que pas. Prends, tu appelles. Vous comprenez? Donc voilà les méthodes encore très simples. Pour éviter quand tu arrives à l'aéroport, tu n'as pas de téléphone. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Voilà encore une méthode très simple. Donc essaie aussi cette méthode-là. Vous écrivez. Vous scannez, vous expédiez à la personne. La personne maintenant photocopie et il vient avec. Quand il sort de l'aéroport, maintenant il présente ça aux Russes. Qu'elle a fini avec la donne pour le consort. Il est dans la salle d'attente. Il présente tout ça aux Russes. Les Russes vont lui donner le téléphone. On va maintenant appeler le numéro dont il a besoin. Pour dire, voilà. Et c'est même, on va lui donner le téléphone d'appeler quoi. Donc c'est pas le Russe qui va parler. Bon, le Russe peut aussi parler parce que nous, on s'exprime en russe. Pour dire que voilà ton frère qui est arrivé, il a besoin, il est dans tel aéroport, comme ça, comme ça. Et maintenant, la chefferie va maintenant dépêcher quelqu'un d'aller à sa rencontre. Donc, vous m'écoutez. Donc, c'est pour dire quoi? Que en quittant, prochainement, il n'y a plus de stress. Vous allez vous sentir comme chez vous. Avant de quitter un pays pour la Russie, si vous ne connaissez personne, ce n'est plus d'inquiétude. Abonnez-vous à notre page Twitter, YouTube. Et puis maintenant, vous allez suivre des vidéos au fur et à mesure. Nous allons vous expliquer des méthodes très simples. Très simples. Quand vous allez arriver, vous ne serez plus stressé. Vous voyez. Donc, voilà la méthode d'aujourd'hui que la chefferie africaine met à votre disposition. Restez des nôtres. Merci.